Alerte aux pigeons. Le tiers-état représentait la majorité de la population. Les paysans, les artisans, les commerçants. Quoi? Tu dis j'ai l'heure de se lever? Pas de panique, les enfants. Nous allons sortir en rang bien sagement. Qu'est-ce qui se passe, madame? Maintenant que tu t'as fait le réveil, pourquoi le réveil, il continue de sonner? Ce n'est pas un réveil, Thérèse, c'est l'alarme incendie. Elle fait, madame. On va tous mourir, les gars. Super. Mais non, allons, calmez-vous. On va tous mourir, les gars. On va tous mourir. On va tous mourir. Sors, j'ai une bosse et il n'y a pas le feu. C'est quoi cette arnaque? C'était un exercice, les enfants, pour voir votre réaction. Nadia, ça n'allait pas du tout. Tu ne dois pas paniquer. Demain, il y a un autre exercice. Je compte sur toi pour faire un effort. Oh non, pas encore. Les gens qui paniquent, ils peuvent même tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes? C'est pas possible, il n'y a que des mandarines à la cantine. Oh, dans les pommes, c'est s'évanouir, graine de slip. Et si ça arrive, faut faire du bouche à bouche. Du bouche à bouche? Ouais. On souffle dans la bouche et on appuie sur les nénés. Tiens, il y a encore un incendie. Ah non, 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 non. Mais non, c'est la sonnerie de la récréation, Thérèse. En tout cas, si Nadia panique demain, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, t'as raison, si Nadia tombe dans les pommes ou dans les mandarines, je pourrais aller faire le bijou du bouche à bouche et la ranimer en lui appuyant sur les nénés. Manu, tu peux m'aider à m'entraîner pour le bouche à bouche? Ça va pas, je suis pas homosexuel, hein, puis j'ai pas de néné, moi, de toute façon. Ah bah merci, hein, je croyais que t'étais mon pote. Tchou. Titeuf, mais qu'est-ce que tu... C'est un exercice pour l'école. D'ailleurs, il me faut des pommes pour que l'or s'y tombe dedans. Tu peux m'en apporter, maman, s'il te plaît? Méga prêt, j'ai révisé à mort avec mon nounours. J'ai un pote, lui, en moi. Hein? Il a des nénés, ton nounours? Il a des nénés, ton nounours? Quoi? Ça va, c'est bon. Et si Nadia tombe pas dans les pommes, d'abord? Oh, ce sera la catastrophe, j'aurais révisé pour rien. Ouais, parce que tu comprends, très bien. Elle a pas l'air paniquée du tout, là. Ouais. Salut, Nadia. Hein? T'as entendu, paraît que l'exercice d'aujourd'hui, c'est pas un exercice. C'est pour de vrai, va y avoir un vrai incendie. Quoi? C'est ce qui s'est passé dans l'école d'à côté, on m'a dit. D'ailleurs, il y a eu un mort, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, voilà, mais je ne vais pas t'inquiéter, hein. Allez, salut. Oh non, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer tout de suite. C'est bon, calme-toi. C'est bon, elle est prête. Le tiers-état est le seul ordre à payer de lourds impôts pour financer les guerres du royaume. Tandis que... Voilà. Dans le calme, les enfants, dans le calme. Yes. C'est bon, là, je suis prêt. C'est déjà à la récré? Mais non, cette fois-ci, c'est l'alarme incendie. Ils n'ont toujours pas éteint l'incendie depuis hier? Ce n'est pas grave. Laisse tomber, Thérèse. Allez, c'est bon, tu viens maintenant, tout de suite. Mais tu vois pas qu'elle est complètement paralysée par la peur? Tiens, ça va? Tu veux des pommes? Mais tire-toi, pauvre naze, elle t'a rien demandé. Et oh, j'ai révisé mes cours de secourisme, hein. Alors là-bas, on se dépêche! Allez, va-t'en, il y a Manu qui s'évanouit là-bas, faut que tu l'appuies sur les nénés. Mais oh! Qu'est-ce que vous fabriquez? Madame, il y a Vomito qui a vomi et Thérèse qui cherche de l'eau pour éteindre l'incendie. Oh, ce n'est pas possible! Oh! Allez, toi, tu viens! Et Titeuf, puisque tu as des notions de secourisme, je veux que tu aides Nadia à sortir tout de suite! Oh, allez! Vous inquiétez pas, madame, elle s'évanouit et je suis fait de bouche à bouche. Bouge pas, Nadia, j'arrive! Voilà, ça c'est des super pommes, tu peux y aller. Mais t'es débile! Tout va bien, Nadia, je suis là. J'ai tout bien repéré, je sais où je dois souffler, où je dois appuyer, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Porte-moi plutôt, j'arrive pas à me lever, j'ai peur! T'es porté? Tu vas pas t'évanouir là, plutôt? Porte-moi, je veux sortir d'ici! Allez, dépêche-toi, je veux pas mourir! Fais tomber!
Couchez-vous, moi je vais. Non, Titeuf, je t'en prie, tu vas mourir. Je dois y aller, ils le font. Oh, ce Titeuf, il a toujours été si courageux, quel héros. Oh non, tout s'effondre, c'est fini, oh mon Dieu, Titeuf. Non, là, regardez. Il faut lui faire du bouche à bouche, mais qui va se dévouer? Moi, je m'en charge. Ah. Titeuf? Courage, mon garçon. Oh, je vous en prie, ce n'était rien, j'ai fait du secourisme dans le temps. Hé, hey, Titeuf, faut pas paniquer, hein, c'est un exercice en fait. C'est vraiment des fillettes, ces garçons. Ça panique pour rien. Ah, il s'en remettra jamais, hein. Non, c'est sûr, c'était le baiser fatal.